aussi à mon. Mike. Tu te cadres mal alors. Mes chers amis, c'est avec un immense plaisir qu'une fois de plus, je me retrouve parmi vous pour célébrer une nouvelle union, celle de Karen et Alexis. Karen, dont j'ai eu l'immense privilège d'animer ses 18 ans, ça fait 7 ans déjà, hein, le temps passe vite. Tout le monde se souvient encore de son entrée qui était incroyable, debout sur une Harley Davidson. Je pense que certaines personnes qui sont là doivent s'en souvenir. C'était vraiment magnifique. Et aujourd'hui, c'est le jour J, elle se marie. Waouh, quand même. Hein. Incroyable. Alors, c'était il y a 5 ans la rencontre. Hein. C'était il y a 5 ans la magie. L'alchimie a immédiatement opéré. Il a craqué sur la princesse des contes de fées et elle a fondu sur ce beau prince charmant bien élevé. Il y a de quoi. Et depuis, ils ne se sont plus quittés. Ils ont très vite emménagé dans leur petit nid douillet à Lésigny. Il est de mon devoir, en tant que maître de cérémonie, de prodiguer des conseils et de leur rappeler les secrets d'un amour qui dure toujours dans l'humour et la bienveillance. Alexis, je m'adresse à toi. Écoute bien, retiens bien, surtout très important. Souviens-toi que ta femme a toujours raison. Il ne faut jamais lui dire non. Ah oui, ça aussi, c'est. Oui, je sais pas. Alors, très important aussi, lui laisser ta carte bleue pour faire du shopping. Très utile, hein, très utile. Une énorme pensée pour tous les proches partis trop tôt, qui de là-haut veilleront sur le bonheur de Karen et Alexis. Karen et Alexis vont donc continuer leur aventure en partageant leurs valeurs, leurs projets de vie, dont nous sommes les témoins aujourd'hui. Ici, de cet amour. De venir faire un petit discours. J'appelle Nathalie et Marlène. Sous les applaudissements, du coup. Il y a un passage à tous les téléphones. Oh, faut qu'on aille croquer le recul. Les filles. Mec, je dois l'arche. Ingrid, Fabienne. Lâche-toi. Fabienne. Le drone. Ah, Fabienne nous lâche manifestement. Il y a un drone. Alors on voulait simplement adresser.